Bonjour à tous, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo donc interview donc au salon Terre Rayonnièvre, donc de Jérémy, président de l'association Terre Rayonnièvre. Tout à fait. Bien le bonjour. Alors, quelle est un peu l'association? Présente-la nous un petit peu. Eh ben, l'association donc s'est créée il y a 2 ans après une bourse qui a eu lieu dans le coin. On s'est créé du coin d'association pour essayer de développer un peu la terrariophilie dans la Nièvre, puisqu'il y a rien en fait, hein, tout simplement. Donc on s'est rassemblé avec quelques éleveurs, on a monté l'association, on a monté le premier salon organisé donc par nous-mêmes l'année dernière ici même à côté du circuit de Magnicourt dans la ferme du Marot. Ouais. On a développé une partie avec une salle de vente assez classique comme une bourse classique, ouais. Et puis on a monté à côté une salle pédagogique et ludique pour les enfants avec du studio photo, avec des vidéos, des jeux pour les enfants, etc., des activités. Et vu la réussite de cette salle l'année dernière, cette année on l'a divisée en deux, donc il y a toujours la salle là-bas pour la partie photo et la partie ludique pour les enfants, et on a ajouté une deuxième salle dans laquelle on est actuellement pour la partie exposition des terrariums. Voilà, on expose pas mal d'animaux quand même, parce qu'il y a un peu de tout, il y a des tortues, il y a une quinzaine de tortues, il y a une dizaine de serpents, il y a quelques sauriens aussi, il y a de l'amphibien, pas mal d'amphibiens aussi. Donc on a rempli 2 murs du coup. Il y a un peu de tout, c'est pratique. Voilà, ça permet de voir un certain nombre de choses. On a aussi des intervenants sur les tortues avec un apport législatif professionnel. Ouais. On a ouvert les conférences cette année avec une conférence toutes les heures, une conférence sur les ophidiens, sur les sauriens, sur les chéloniens, sur les maladies en terrario, sur l'élevage en général. Les mantes également. Hein. Tout à fait, les nourrissages de mantes aussi qui sont assurés donc sur grand écran. Avec vidéo également de nourrissage de pogona aussi au passage. Oui, chasse de pogona au détour de la présentation des sauriens. Ouais. C'est vrai que nous, en tant que passionnés, on sait comment ça chasse, on l'a déjà vu, mais les personnes qui débutent ne savent pas forcément comment ça chasse. Les néophytes ne connaissent pas, et c'est très intéressant de voir des pogos chassés, surtout en groupe. Donc, voilà, donc effectivement, c'est un apport qui est vraiment intéressant. C'est de l'éducatif pur, quoi, en fait, voilà, tout simplement. Exactement, c'est le but et c'est le leitmotiv de l'association, de faire de l'éducatif, du pédagogique. Et on compte bien accentuer un petit peu la chose, parce que cette année, on a réussi à s'entourer d'une vétérinaire et d'un soigneur animalier en zoo pour réussir à monter quelques-unes des conférences. C'est vraiment du haut de gamme, on va dire. Hein. Voilà, et on aimerait essayer de développer cet aspect-là, et normalement, ça devrait se faire, pour réussir à peut-être même ouvrir une salle supplémentaire l'année dernière consacrée à des animaux un peu plus spécifiques, ouais. et réussir à monter un petit peu plus cet aspect pédagogique. Et sortir du créneau un petit peu classique pour Du créneau bourse reptile pur et passer sur du truc vraiment plus exposition en déjà, fin de compte. Ouais. Déjà sortir de la partie bourse et vraiment être un salon à part entière. Et puis développer toute cette partie qui est plus axée pour les néophytes et la rendre d'autant plus intéressante pour les terrariophiles sur lesquels ils pourraient venir voir vraiment des choses un petit peu hors du commun. Bah, c'est vrai qu'il faut pouvoir intéresser notamment ceux qui débutent, tout comme ceux qui sont expérimentés. Exactement. C'est vrai qu'au niveau des conférences, là, bon, c'est plus des conférences basées sur les personnes qui débutent en fin de compte. Oui, comme on a pu le voir hier. Il y a assez peu de nouveautés, on va dire, pour un terrariophile averti dans les conférences. Peut-être sur les maladies où ils peuvent apprendre le plus, mais il y a toujours des choses à apprendre. On apprend tous les jours, oui. Mais effectivement, à l'heure actuelle, les conférences s'orientent plus sur le béaba de la terrariophilie et comment bien faire en terrariophilie. Après, le but du jeu, c'est de monter un petit peu la sauce pour permettre justement que les conférences ou les animaux présentés puissent être aussi un apport réel pour les terrariophiles classiques. Ça puisse ramener plus de monde pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent s'intéresser à ça, puis apprendre en même temps au passage. Tout à fait. Parce que même si on compte pas acheter forcément un reptile, apprendre du reptile, c'est une bonne chose aussi. Oui, c'est très important. Voilà, puis surtout quand on voit des serpents en faune française, si on peut apprendre plus sur d'autres serpents qui sont ici, ça évite qu'on leur mette un coup de pelle dès qu'on les croise dans la rue, quoi. Exactement. D'autant que l'asso se positionne aussi beaucoup là-dessus, sur le côté biodiversité, sur le côté respect de l'environnement local et sensibilisation à l'environnement local. Dans chaque diapo qu'on passe sur les espèces, on parle des espèces françaises, on parle de leur protection, on parle aussi des espèces endémiques, des espèces qui ont été importées, voilà, qui ont été intégrées dans des milieux dans lesquels elles ne devraient pas être. Donc toute cette pédagogie-là, ça fonctionne très bien auprès des familles pour justement les sensibiliser au danger de la destruction des amphibiens, etc., etc. Oui, c'est vrai que c'est la base. Si on peut informer les parents, ça peut-être même les enfants, ça peut. Si on touche au moins l'un des deux, on peut toucher le deuxième, quoi. C'est une boucle et c'est aussi un virage que pourra prendre notre événement l'année prochaine avec l'implication d'associations au niveau local sur la préservation de l'environnement, sur la biodiversité, qui permettent aussi de sensibiliser les gens à toute cette problématique-là. Puis ça montre aussi également un autre visage de la terrariophilie. Ça montre pas forcément le visage des personnes qui viennent vendre des animaux à tout prix ou exactement. Ou du trafic. Voilà, il faut qu'il y ait pour tous les goûts. Il faut qu'il y ait le côté local, biodiversité.
biodiversité, respect de la nature, présentation, exposition, manipulation, découverte du néophyte. Et il faut que le terrariophile qui vienne puisse aussi y trouver son compte avec des espèces un peu moins courantes, avec des professionnels qui sont calés dans leur milieu, qui font des très bonnes ventes avec des animaux de qualité. Et tout ça mis bout à bout nous permet de toucher à la fois les néophytes et les terrariophiles et de faire un salon assez diversifié et assez complet. Oh bah parfait. Parfait, on sera jamais parfait, mais s'y approcher de la perfection, c'est pas mal quoi. Quelque chose d'assez complet, voilà, pour intéresser tout le monde et puis pour permettre de brasser un maximum de personnes et d'être le plus compétent possible, tout simplement. C'est l'idéal. En s'entourant des professionnels les plus compétents possibles. C'est mieux. Sinon, au niveau de l'association, vous êtes combien à peu près dedans ? En adhérent pur, on est une petite trentaine. C'est aussi des adhérents qui sont énormément répartis sur le territoire. Pas la France, non. On tourne sûrement le département de la Nièvre et les départements limitrophes. Mmh. Donc on a un bassin un petit peu dans l'Yonne, un bassin un petit peu dans le Cher, ouais, et une grosse partie dans la Nièvre. Mais en fait, la totalité de la répartition fait que les adhérents les plus éloignés les uns des autres sont à plus de 2 heures de route les uns des autres. Ah oui, donc oui, c'est... Au niveau du cœur vraiment de l'association, on a entre le bureau et les bénévoles qui gravitent autour du bureau et qui sont vraiment disponibles et qui sont vraiment là présents sur le salon pour aider chaque année, on est à une bonne dizaine de personnes. Donc actuellement, oui, on monte le salon à une petite dizaine de passionnés qui sont présents. Et c'est bien monté parce qu'il y a du boulot. Il y a 3 jours à peu près, hein, 3 jours d'installation entre le mercredi, la dernière réunion, toute la préparation des camions, les allers-retours après en camion, faire venir 200 mètres linéaires de table, ramener une bonne cinquantaine de terrariums d'exposition. Voilà, organiser tout ça, c'est 2 jours non-stop de 6h à 20h. De 6h à minuit, pardon. C'est déjà pas mal. Petite dernière question, comment on peut adhérer à l'association et qu'est-ce qu'on y gagne à y adhérer ? C'est extrêmement simple. L'association, elle s'adresse à tous les terrariophiles nivernais et limitrophes. Comment on peut adhérer ? Soit en étant sur le salon et en allant voir sur le stand de notre asso, soit carrément nous contactant par mail. On a le Facebook de l'association, on a le site, on a l'adresse mail, on a les numéros de téléphone joignables. Les avantages d'être dans l'asso, c'est de profiter des commandes mensuelles à des prix très compétitifs, de participer tous les 2 mois aux réunions de l'asso avec des barbecues, des athlètes, voilà, etc. De participer aux assemblées générales et de participer du coup aux décisions de l'association, d'aider pour présenter au salon, d'avoir un stand gratuit sur le salon intégré à notre stand Terrario, Terrario Nièvre. Ouais. Et puis si on est suffisamment, c'est-à-dire entre 20 et 30 fixes vraiment présents, on va essayer de commencer à organiser des visites dans les zoos, dans les reptilariums, etc. En essayant de se faire ouvrir un petit peu les portes les coulisses. C'est pas mal voir les coulisses de ce genre d'installation. Bah, c'est le plus intéressant. Pour nous, oui. Voir pour... en visiteur lambda, c'est bien. Ouais. Voir il y a des détails techniques, passe, puis ça peut donner des idées pour après la suite, pour nos propres installations d'ailleurs. Exactement. Voilà. Donc voilà un petit peu le but de l'asso. Et puis conseiller tout le monde. On a plein de gens qui ne sont même pas dans l'association qui nous sollicitent un petit peu via Facebook, via des mails, via des coups de fil, pour des petits conseils, etc. On est là pour nous, c'est la base de notre association et on l'a bien mis sur notre banderole et sur notre site. La première chose, c'est vraiment le partage, l'éducation et en toute fin la vente, parce qu'on a toujours des petits animaux à vendre à droite à gauche et puis du matériel, des choses comme ça. Mais voilà, notre priorité, c'est vraiment l'éducation, le partage et le développement de la terrariophilie et d'une terrariophilie responsable, pas de faire n'importe quoi, d'une terrariophilie bien pensée, bien faite, et puis voilà, d'une bonne terrariophilie, on peut dire. Là-dessus. Voilà, ouais, la meilleure possible ça. En tout cas. C'est idéal. Donc voilà, vous l'avez compris, donc Terrario Nièvre, c'est l'association à connaître, la bourse, enfin du moins le salon. Ah oui, donc, le côté, salon, pas la bourse. Voilà, il y a le côté bourse, la vente, mais le salon au complet, c'est vraiment le salon qu'il faut venir donc visiter, donc là, pour 2018, hein, donc des gros projets de prévus, donc n'hésitez pas à passer, et puis on se dit à la prochaine. Salut. Au plaisir.